comment ça va? 5 sur 5, Maxime, avec ce soir une super production hollywoodienne. Oui, 4. 4, mesdames, messieurs, 4 de nos équipes étaient sur le terrain hier soir pour suivre les résultats de cette primaire. On en a 4 ? Nous, oui, bah oui, on en a trouvé 4. Nous étions chez Manuel Valls, bande de mauvaises langues, chez Benoît Hamon, au QG d'Arnaud Montebourg, nous étions aussi chez Vincent Peillon, regardez. Nous, on est en place, mais eux, pas tout à fait. 5-4-3-2-1-0, Paris, Bordeaux, Le Mans. Actuellement, une température négative, ce qui fait que les mouettes peuvent marcher sur l'eau, ce qui est exceptionnel. Bonsoir. J'espère que ce n'est pas pour un bêtisier. Tout le monde est-ce qu'il veut ? Oui ? Non ? Oui, 19h30, la soirée, on ne va pas se mentir, démarre très mollement. Une petite dizaine de militants, pas plus, attendent les résultats chez Vincent Peillon. J'ai bien dit 10 militants. Oui. Et personne n'ose toucher au pop-corn. On colle, les dernières affiches à l'ultime minute sur la péniche louée par Benoît Hamon. On cherche désespérément aussi les supporters de Manuel Valls. Il doit y avoir à peu près 10 fois plus de journalistes que de militants. Des journalistes partout, téléphone à la main. Il y a même ceux qui ont refusé de choisir entre le buffet et leur smartphone. Bon appétit, monsieur. Le buffet chez Arnaud Montebourg. Le buffet chez Arnaud Montebourg, c'est simple. Bah, il n'y en a pas. Quelques bières qui traînent dans un évier. Bon appétit. Sans chichi, il n'y a plus. Pas une surprise. Il n'y a plus un centime en caisse. Et pour afficher les résultats, regardez. Petit bricolage maison, un rétroprojecteur sur une photocopieuse, ça suffira. On est à quelques minutes des résultats. Tension au maximum, sauf chez Vincent Peillon, où ça sent déjà la défaite. On s'attendait tous à une surprise Peillon beaucoup plus importante au final que ça. Et bon, c'est vrai qu'on a eu des premiers sondages qui nous ont indiqué que notre candidat n'était pas très bien placé. Et on commence à être très déçus. Pour l'instant, pour le second tour, c'est très difficile de dire, mais on sait que notre candidat n'est pas dans ce trio-là. Bon, voilà, il est 19h30 seulement, on n'y croit déjà plus chez Vincent Peillon. Du côté des supporters de Manuel Valls, comment dire, on tremble un peu. On va dire que depuis le 21 avril 2002, où une heure avant, j'avais des estimations complètement erronées, j'ai annoncé à mon époux que Lionel gagnait vers 19h, quoi. À 20h, j'ai eu le choc. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'attends. Voilà. On attend. Le fantôme du 21 avril rôde toujours. Plus pour longtemps. Voici l'heure des résultats. 20h30 passé. Résultats que nous allons vivre en direct depuis le quartier général d'Arnaud Montebourg. Vous vous souvenez? Le rétroprojecteur calé sur une photocopieuse. Oh. Eh ben, on y va. Oui, oui, oui. Ici, 5 minutes maximum, nous dit-on. Et je vais être un petit peu prudent parce que pour l'instant. Ah non, faut pas que ça vienne maintenant. Les 3090 bureaux de vote, le résultat. Non. Putain, non. Ça me fait rire. On est obligé de rigoler là. Un retour. Et voilà, dommage, ça bug encore et ça bug pile au moment des résultats. Même chose, exactement la même chose chez Manuel Valls. Un bug au pire moment, tant pis. Ils vont écouter ça sur un smartphone chez Manuel Valls. Et là, comparaison assez cruelle. Les résultats donc chez Manuel Valls, les résultats chez Benoît Hamon. Résultat est le suivant, et je le donne, dans l'ordre du score le plus élevé vers le score le moins élevé. Benoît Hamon, 35,21. Manuel Valls, 31,56%. Arnaud Montebourg, 18,70%. Vincent Peillon, 6,48%. Et les votes nuls, 0,67%. Allez, voilà, pas d'applaudissements chez Manuel Valls, pas tout à fait la même ambiance. J'ai une autre image pour vous, ces visages tristes, ces yeux embués chez Arnaud Montebourg, où on a fini par avoir les résultats quand même. La campagne se termine dans les larmes, ces visages qui se crispent, qui se figent au fur et à mesure que les scores tombent. Ça, c'est chez Vincent Peillon et c'est dur aussi à vivre. Mais quelques secondes plus tard, la demoiselle qui prédisait tout à l'heure la défaite de son candidat, finalement, elle se dit que 6 ou 7%, c'est plutôt pas mal. En un mois, 7%, c'est vraiment beaucoup. Et on peut peser dans cette élection, nous, électeurs de Vincent Peillon. Donc on est très contents. Il y a des candidats qui partaient en campagne il y a un an et demi et qui n'ont fait que 18%. Donc nous, on peut être fiers d'avoir réussi à imposer nos idées.